houle en légère baisse et du vent side onshore entre midi et 2 sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable, ça s'ennuage un petit peu. La température extérieure, elle est relevée à 21-22 degrés. La température de l'eau, elle est excellente, à 21 degrés, pas loin de 22. Cet après-midi, un temps variable, une température à 23. Les prévisions ont changé, plus d'averses prévues en soirée. La marée, elle est actuellement en train de descendre. Le plein bas est à 14h05, des coefficients de 92. Sur cette descendante, ben, le vent s'est levé au nord-nord-ouest. Il est gentiment modéré. Deux beaufort établis, des petites rafales à 3. Le plan d'eau devient ridé à clapot. Les phases de vagues sont ridées. Et on a une houle qui a quand même plus de période que ce que je croyais. Parce qu'elle est quand même moyenne à longue. 8 à 9 secondes de période. Parce que vous allez voir en fin de vidéo... Il y a quand même des lignes, j'ai compté les intervalles entre chaque crête sur le même point de déferlement, juste avant que ça déferle, et c'est une houle de 8 à 9 secondes, hein, quand même, plutôt 9 secondes. Hein. Et donc elle est ouest-nord-ouest, elle est en léger repli par rapport à ce matin, mais cette houle moyenne à longue, pas relevée sur la bouée Arcachon-Gascogne, là, parce que depuis tout à l'heure, elle tourne à 1,10 m et 7 secondes. Et ça donne en termes de taille de vague, bah, 50-80 cm en déferlement régulier, 1 mètre à un bon mètre aux séries. Voilà, des vagues qui arrivent à la hauteur de la poitrine. La barre est facile à franchir. Les vagues sont moyennement sélectives à réserver pour des surfeurs. Ouais, c'est praticable même pour les débutants, mais bon, il y a quand même un peu de période. Et bon, ça se dégrade, ça vaut la note de 2 sur 5. Et là, avec la marée qui descend, les vagues au bord, elles se font de plus en plus fermantes. Et les vagues au large déroulent de plus en plus. Et bon, certes, au large, vous voyez là, c'est mou, c'est pas génial. Mais si vous voulez glissouiller tranquille, pépère, il y a quand même des bouts hein, qui arrivent à passer de ci, de là. Il y a quand même pas mal de monde à l'eau, ça sort sur les meilleurs endroits. Et la note, donc, elle passe à 2 sur 5. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va être en légère atténuation. Parce que la bouée Arcachon-Gascogne roucoule à 1,10 m et 7 secondes. Et avec une petite pointe, 1,20 m et 8 secondes. Donc on va garder une houle moyenne à longue qui va être en très légère atténuation, surtout sur la fin du montant avec ces gros coefs, ça va être un peu poussif. Et le vent, il est attendu se renforcer au nord. Et donc les prévisions à 17h, c'est 80 cm, 1 mètre, encore un bon mètre, sur une houle ouest-nord-ouest, 8 à 9 secondes de période, et un vent de nord qui va se... Vous voyez la longueur des lignes là? C'est pas une houle moyenne ça, elle est moyenne à longue. Et une houle de 8-9 secondes et du vent cet après-midi nord 3-4 qui se calmera sur la fin du montant par effet de maline, mais on conservera des vagues agitées. Donc le meilleur créneau c'était ce matin, là à midi c'est encore bon parce qu'il y a quand même des vagues sur le large hein, qui arrivent à passer. Cet après-midi ça sera dégradé et en toute fin de journée ça s'améliorera de nouveau. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. La bonne journée.